Erasmus Plus a mis en place un projet regroupant la France, l'Italie et l'Espagne. Chaque pays est représenté par 10 personnes engagées dans la vie associative, tous issus de l'immigration. Ils sont originaires de pays comme le Maroc, Tunisie, Autriche, Moldavie, Cap-Vert, Sénégal, Mali, Pérou et Philippines. La première rencontre sous forme de séminaire se déroule en... L'association que je vais présenter, c'est l'association Nouveau Profil. Donc, elle est représentée par Seydi Dramé. Donc, ils ont 37 membres au sein de leur association. Ils ont 23 hommes et 14 femmes. Et la tranche d'âge, ça va de 18 à 60 ans. Les objectifs, c'est de faire de la médiation sociale, de l'assistante administrative et de la médiation culturelle et de la traduction de documentation pour l'association Nouveau Profil. Donc pour l'association de Mirko, donc les amis et les filles de Boa Vista, ils ont été créés en 2009 avec 130 membres au sein de l'association. Il y a 90% de femmes et c'est des mamans, tu nous as dit. C'est des mamans qui sont plus nombreuses. Et du coup, les objectifs, c'est vraiment d'aider la population de Boa Vista dans le domaine de l'éducation et de la santé. Tu me dis, hein, et faire de l'accompagnement scolaire. Ici, en Italie. L'association des jeunes sénégalais deuxième génération de Kadim, en fait, c'est une association qui a été créée en décembre 2017 pour faire de l'accompagnement scolaire pour les lycéens et pour accompagner les universitaires dans leur parcours scolaire. Et vous avez ce qu'on appelle un laboratoire d'idées. Donc, c'est des rencontres intergénérationnelles avec des thématiques. Donc, l'âge moyen, c'est 19 ans et vous avez 44 membres, dont 25 femmes. Je fais part de l'association de la femme capverdienne in Rome. Et, l'association est née en 1988. Nous sommes toutes femmes, 7 femmes. Il n'y a pas des hommes. Nous travaillons pour promouvoir l'intégration des Capverdiennes à Rome. Nous travaillons plus pour les femmes et les difficultés que les femmes rencontrent dans la société. L'association Masada, qui compte 19 membres. En termes d'âge, on est sur une tranche de 20 à 35 ans. Et il y a plus de femmes que d'hommes, donc je dirais 70%, 30% d'hommes. Donc notre association, elle a deux objets. D'une part, elle monte des projets de solidarité internationale en Tunisie et au Mali, dans le domaine de l'agriculture, l'éducation et l'émancipation des femmes par des projets
générateurs de revenus. Et nous avons un tout autre objet qui consiste à mettre en place des campagnes de sensibilisation sur notre territoire à Dunkerque, donc dans le nord de la France, pour lutter contre les stéréotypes qui sont liés aux migrants, pour lutter contre le misérabilisme à l'égard de l'Afrique, par exemple. C'est Sérigne, pour ceux qui ne peuvent pas. Sérigne. J'ai un nom un peu long. Je suis le vice-président de l'association ASECO, qui est née il y a de cela 4 ans. Parce qu'auparavant, on organisait des rencontres, mais informellement. Quoi. On n'avait pas des papiers, on n'avait pas le codice fiscal pour ceux qui habitent en Italie. Le codice fiscal, c'est le numéro que l'agence, l'agence de l'entrée était là, pour être légal. Je propose ici qu'on organise un réseau d'informations. Parce que moi, j'ai entendu beaucoup d'informations que je ne connaissais même pas. Congi qui l'a dit maintenant, Congi. Moi, je ne le savais pas. Peut-être même nous, ceux qui sont dans les associations, on n'a pas les informations. Donc, l'idéal, c'est d'organiser un réseau pour avoir plus d'informations. Par exemple, moi, je peux appeler Gilva. Il dit, moi, j'ai entendu une loi sur quelque chose. Est-ce que tu peux m'informer? Et là, je pourrais avoir des informations. Moi, d'après tout ce que j'ai entendu, on a les mêmes problèmes. Donc, ça manque les solutions, la solution. C'est-à-dire avoir les informations réelles et d'essayer d'être unis. Deuxième mot. Le bruitage aussi. Excuse-moi.
dénoncer. Et tu vois, même la législation en Espagne, les institutions, c'est pas facile de dénoncer un cas de racisme. Me gustaría complementar la respuesta de Moja, que nosotros en Sorracismo Madrid no solamente denunciamos como actos racistas, como hechos así violentos contra un grupo de personas sobre otras personas, sino que también denunciamos el racismo estructural, es decir, lo que tiene que ver con leyes, con normativas, con estructuras, con prácticas institucionalizadas. Entonces nosotros intentamos visibilizar el racismo en ese sentido también, no solo en actos violentos concretos que pueda ejercer una persona sobre otra, sino también en cómo el Estado español y los Estados-Nación de Europa son estructuralmente racistas. Entonces, j'avais oublié dire, il dit que normalement ils sont environ 300 cas par année. Ils disent que pas seulement les cas spécifiques d'un personne qui est violent avec un autre groupe de personnes, mais que aussi ici à son racisme. Il essaye de dénoncer ce qu'on a parlé ce matin, le racisme structurel, le racisme institutionnel, toutes les lois et tout, d'une façon de visibiliser que l'État espagnol et les États européens, normalement, ils sont structurellement des États très racistes. Bonsoir mesdames, messieurs, vous pouvez le voir, on ressort d'un séminaire aujourd'hui en Espagne, à Madrid. Voilà plusieurs collègues avec plusieurs associations. Vous avez l'association Cœur du Fouta, le GRDR, le représentant du projet qui s'appelle Monsieur Maël. Grâce à lui, le projet fonctionne à merveille et on peut le remercier car malgré la barrière de la langue, il nous a permis à parler avec autrui. Donc merci à toi Maël. Merci à toi d'abord. Il y a Isabelle aussi, qu'on peut constater ici. Isabelle ici présente. Très belle femme. Elle nous a aidé en fonction de la barrière avec les langues.
quelqu'un que je vis à Paris. Y'a pas dit, t'inquiète, de toute façon, tu me mets. Hein. Ah. Ouais, c'est la famille, tu me mets maintenant. C'est vrai. Tu vois, tu es, on est ensemble, le 13 mai, tu es dans la team. T'as rien de connu ? Non, même pas, y'a comment, je suis dans le mois de mai. Ah ouais, non. Moi, je suis le 13 mai. Le 13. 13 mai. Ouais, c'est la famille. Allez. C'est validé, ok ? Bon. Merci Ahmed, hein. C'est rien. Bon courage, ça, ok ? C'est pour ça que quand on est pas, on ensemble. C'est direct, taureau. Hein. Le lien direct. Taureau, ok ? Au plaisir. Quand je passe à Montreuil, je t'appelle. D'accord ? Y'a pas de soucis, hein. Merci à toi. On est ensemble. T'inquiète. Allez, bon courage. Pues nada, aquí hemos terminado el primer seminario del proyecto que estamos haciendo entre jóvenes migrantes que viven en Italia, en España y en Francia. Y nada, me llevo muchas cosas positivas, muchas cosas que he aprendido, cosas que tenemos en común, cosas que hacemos diferentes, compartir estrategias y sobre todo seguir con muchas ganas y mucha ilusión para seguir colaborando en los siguientes meses. Eh bien, écoute, je suis assez content. C'est vrai qu'on a un peu entamé le truc. C'était un peu en bancal. On a fait ça un peu à l'arrache, en fait, puisque il y a des soucis un peu dans le projet, en tout cas dans le financement et tout ça. Et finalement, l'argent est tombé, donc on a pu organiser ce premier séminaire. Et je trouve que ça s'est relativement bien passé. Je suis assez content du groupe. Il y a pas mal de chouettes individualités. J'espère que ça va se poursuivre, en fait. J'aimerais bien que ça crée une dynamique un peu sur le long terme. Et puis, je fais une big dédicace à Imad pour tout ce qu'il a fait. Et puis, surtout, une big dédicace aussi à Adama pour le show qu'il nous fait en permanence.